sont quand même bien, bien protégés. Enfin, ils sont en double ligne ici. Et ça bouge. Tu m'attaques. Tu me fais perdre. Ouf, c'est tellement vite. Tu m'as fait perdre sans du temps, sans unité. Sans unité. Eh ben non, pas sans unité, sans unité. Et ça, c'est pas vous, ça. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, toutes ces petites choses. Et les verres, Annelide. Je pense qu'on commence à voir un peu. Alors, on a tué 600 infanteries, 10 tanks, et on a perdu 100 infanteries. Mais c'est parfait. On a perdu de la relation avec un leader. On a gagné le free market. Ah, bien. Bien, bien, bien. On a un truc qui sert à rien. C'est pour tirer de l'énergie des volcans. Et on a l'armure polymère. Ça, c'est bien. Et on a fait notre anti-tank. On a trouvé la Light Armor Infantry Army. Donc, c'est les... Mais on va voir. On ne sait pas exactement. Et on a de nouveau des tarifs export. C'est pas trop les tarifs export que je veux, c'est les imports. Mais on peut attendre, il n'y a pas de problème. Il y a un zéro retirement. Ça veut dire que je peux, avec 12 points, j'ai 50% de chance d'enlever quelqu'un qui a une seniorité de moins de 10 points pour gratuit. Mais dans le cas où je rate mon coup, ben de toute façon, on va lui enlever quelques points de seniority également. Donc ça, c'est assez pratique. Ça, ça coûte trop cher. C'est bien, mais ça coûte trop cher. Shadow Diplomate, un Spy Team. C'est moins bien que l'autre, mais que le Ring. Mais c'est pas mal déjà. Je ne suis pas mécontent. Regardons les rapports. On va commencer par, donc ici... Un BP, ok, c'est pas... Un petit peu de support. Un petit peu de worker. 7 points qu'on perd des workers. Oh. Commençons par l'archéologie. Alors, l'archéologie, est-ce qu'on a trouvé quelque chose de nouveau? Non, nada. Ne rêvons pas. Est-ce qu'on a rien du tout? Tout ce que j'ai reçu, c'est Popular News. On a reçu un truc. Un camion. Voilà, Victory, on peut regarder, mais on n'a pas dû changer grand-chose, non. Le trésor. Donc on gagne plein de sous. Maintenant, ça commence à devenir très intéressant. On a eu que... c'est pas mal, 126, donc il me faudrait un ici. L'autre, on va essayer de le mettre à Braumark. À Braumark. Ok, on a des sous, c'est bon. Enfin, je crois qu'on n'a pas de demande. Et voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Des problèmes diplomatiques avec des mineurs. Décision, décision, décision. Tu veux que notre bureaucratique a 7 rich? At least 7 levels. Aucun problème, mon ami. On peut construire tout ça. Ça ne me dérange pas. Autant, on va gagner des points tout de suite. Les salaires, important, les salaires. On va leur demander, on va leur donner du fric, ne vous en faites pas. Les mineurs diplomatie, on va arrêter ça, c'est pas vraiment la peine. Donc je confirme ici aussi. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez d'autre? National décision, les salaires. La zone, un city upgrade, libre décision. Alors, on a trouvé ça c'est pratique. Donc on a trouvé des infos sur Zandmark, mon petit Zandmark, tu te trouves là-bas, tout en bas, je suppose. Oui, Zandmark. Donc nous savons que Zandmark, c'est le Temple School actuellement, et je crois que Krista Kaisman, c'est le président de Zandmark, Krista Kaisman, est le chef de la Temple School. Donc on a reçu des infos que le président est involvé, il est corruption dirons-nous, hein,
Eh bien, nous voudrons qu'ils restent. C'est toujours Temples. Moi, je n'ai aucun problème avec ces gens-là. J'ai pas envie de faire un changement de gouvernement pour le moment. Bon, même s'ils sont tous à 10%, ça sert à rien. Je préfère garder le Temple School. Même s'ils continuent à me blackmailer, c'est pas très important. Temple School, ok, c'est pour toi. Voilà. Donc là, ça permet, je ne sais plus, je me demande si ça donne pas. Ça donne quelques pourcents en plus de votants, en tout cas, de ce côté-là. On va augmenter les salaires. Oui, on va augmenter les salaires. L'advisor, actuellement, est-ce qu'il a besoin d'être augmenté? Le cabinet, overview, non, 87, il est très bien là. Le commandant, 81, on peut quand même l'augmenter. Il n'y a qu'une personne, hein, finalement, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Allez, on va monter tout bande d'un point. Allez, l'adviseur, je le laisse tranquille. On va prendre un point ici, ça c'est sûr. Les gouverneurs, oui, même si j'étais un son, je m'en fous. J'aime bien que mes gouverneurs aient un maximum de points puisqu'ils me donnent des ressources automatiquement. Le salaire, je suis pas obligé d'augmenter, mais hein, il est 71. On va essayer de le monter. Hein. Voilà, le commandant, les OHQ. La réserve non, et les soldats non plus. Voilà, on n'a pas, ça ne change pas grand chose. Par contre, ça va donner pas mal de petits points en plus à tout le, enfin presque tout le monde. Hein. Il y en a qui touchent moins que d'autres. Les égoïstes, par exemple. Ça, on va d'abord attendre d'avoir fait notre petit tour. J'ai fini tout ceci. On va prendre les stratagèmes. Un petit peu, je vérifie un petit peu ce que nous avons fait. Je souhaiterais augmenter mais c'est dans Cover Ops, oui c'est ça, on va augmenter notre pli of friendship ici, tu vois, increase de 4d4, on va augmenter ça sur Broad Mark. Vas-y mon ami, il a 80 points lui maintenant, il demandait 9 points quoi, pour un crédit il est monté de 9 points mon copain, c'est génial ça. Voilà, on vient d'augmenter avec eux, et maintenant je devrais pouvoir lancer de la trade, non avec eux, peut-être, ouais, il faut que 40, hein. Si je te lance un trade, mais ça coûte 135, même avec un shadow diplomate, on passerait à 106. On passerait à 106. Peut-être plus le redis, ça ferait 116, mais je ne suis pas encore certain d'y arriver, quoi, même avec ça. 135. Voilà. Et si je me rappelle bien, le cabinet ici, lui, il n'a pas de diplomatie, c'est bien ça. Lui, c'est de. Et puis, il est toujours occupé avec son copain ici, mais c'est bien ça. Et toi, tu es toujours à 100, donc. Pas de pépin. Alors, toujours aussi bon. Il est toujours aussi bon. Donc, on revient un petit coup en arrière. Ouh, Eileen. All good. Il te manque presque rien, ma chérie, toi. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi encore? Donc, je reviens dans mes stratagèmes. Malheureusement, je peux pas lancer de trade tout de suite avec lui. Ah oui, bon, on est toujours au même endroit, quoi. Je ne peux pas lancer de trade avec lui. Il y a encore trop de points. Il y a trop de risques de le rater, quoi. Et j'en ai pas 50 de trade, j'en ai 2 de trade. Donc je préfère ne pas. Où est la difficulté? Sans doute que la difficulté dépend de. Regardons un petit peu. Si je te faisais du. Une ambassade, diplomatie, 135 aussi, c'est la même chose. Donc ça dépend. Si on pouvait passer à blackmail,
Ça serait sympa, mais bon. Donc on oublie un petit peu pour le moment ici. Cover-ups, on peut envoyer quelques espions. Alors, les Senspai tout court, ça va être pour ici. Non. Oh, c'est toi. Regardez un peu ça, il a tout piqué. Il a plus que ça, Vedaemnitz. Lui, il a tout piqué. Alright, donc toi plutôt, je vais t'envoyer un peu plus de monde. Voilà, ça c'est bon. Donc les mineurs, c'est plus facile, les tests sont beaucoup plus simples hein, à effectuer. On voit ici que la difficulté est 140, moins votre relation level, et c'est diminué par 2 contre les zones mineures. Et attention, il y a un critical failure, tu diminues de 10 la relation. Donc faut toujours faire attention à ça quand même. Donc là, on va quand même essayer d'avoir un critical success, sans problème. Donc là, on se retrouve avec 6 spies là-bas. Et on va essayer d'avoir. On en a déjà un ici. Il n'y a pas trop besoin d'en avoir un deuxième. Est-ce que j'en ai ici dedans? Je n'en ai pas. Et ici? Je n'en ai pas non plus. 84 pour 72 avec. Non, ça c'est support faction. Ici. Voilà, chez eux, je peux. Ouais, j'aurai d'office avec. J'aurai d'office ce qu'il faut ici. Laurent. Zandmark toujours. Et. Bonnemark. On va s'en envoyer un. Et on pourrait peut-être. Pour le moment, je n'ai pas vraiment. Mais bon, de marque, il vaut mieux, on ne sait jamais. On va envoyer un mec, un seul spy là-bas. Et on a 50 points, critical success, donc on en a deux aussi. Parfait. Et bon, on en a encore un, mais c'est bien. Bon, on va y envoyer l'autre, à Zandmark. Marque. Il met 32, les touks 92, on est bon. Et il y en a encore, mais quand il n'y en a plus, que je disais, il y en a encore. Donc là j'en ai deux, là j'en ai deux, là j'en ai six ici, je n'en ai qu'un, et disons qu'on va un peu aller regarder ce qui se passe à Topedia. Voilà, et aussi on a doublé également. Bon, on a perdu pas mal de points quand même, hein, 120, mais c'est pas grave. Donc ici, nous sommes à plus 30. Donc je n'ai plus besoin de tous ces trucs-là. On a Wargames, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. On peut se faire du danger, mais je crois que j'en ai rajouté tout plein. Et ça, c'est donc du danger et de l'unrest. 6 des 10 en unrest. Une trentaine de points d'unrest. Ça serait bien si ça tombait sur Carreca, par exemple. Alors, on a recrute civile. Recrute junior, ça c'est important pour moi maintenant. On va faire ça le tour prochain. Tarif, export, pour le moment on va attendre. Ça, le Blitzkrieg, ok. Ça, toi tu vas être mis sur la première MG. Target, la première MG, si je ne me trompe pas. C'est dans la première MG, non, je ne me trompe pas, c'est sûr. Bon, nous avons fait un anti-tank. Regardons notre anti-tank. Anti-tank gun design. Mais bien sûr, on avait 90, on est passé à 112, ça fait 22% de gain. Même si ça n'a pas bougé, on a un weapon design qui est à presque à 100%. Aussi, même chose pour l'armure. Eh bien, c'est parfait. On a augmenté aussi notre firepower. Oui, c'est juste. 250 d'armure string. Ok. Donc maintenant, on a une défense de 235 contre les deux possibilités, donc hard et soft. Et nous attaquons en défense de 170 en soft. Et 679 en hard. Ok.
Est-ce qu'on peut les construire? Bonne question. Donc, si je venais ici et que je disais je veux des indépendances, il n'y a que les indépendants qu'on peut faire, et généralement ils sont beaucoup. Bon, ils sont ici anti-tank. Et ceux qui seraient intéressants, ça serait ceux-ci. Mais. Ils coûtent 656 en IP. Bon, avec Mozart Moraine, hein, bien sûr, mais. Avec des motorized 448 et sans rien du tout, 368. C'est très très cher. Très très cher. 368 même, je n'aurai plus assez. Je peux pas. Ou alors il faudrait que je les construise à un endroit où il n'y a pas assez. Mais on va pas faire ça. Où il n'y a pas, où il y aurait que la moitié. Non, on est déjà qu'à 63%. Donc, pas rêver, quoi. Ça va bouffer tous mes IP. Je peux pas. Je ne peux pas, malheureusement. Mais bon, je suis très content de ça. Maintenant, nous n'avons pas encore découvert les bazookas, comme d'habitude. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Déjà, qu'est-ce qu'on a comme trouvé comme nouvelle technologie? Nous avons le jet, nous avons le volcanique, tout ça ne sert à rien, mais ça permettra d'ouvrir dans le cas où on a besoin vers le bas. On a sécurité, on a l'armure polymère. Et il nous manque un petit peu. On est à 66 en turboprop. Engine. Est-ce qu'on finit ça? Ou est-ce qu'on arrête ça et on passe tout de suite à l'armure polymère? Je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée de passer tout de suite à l'armure polymère. J'ai pas vraiment besoin du turboprop. Ça améliore un petit peu votre moteur d'avion. Mais je crois que ça coûte de métaux rares. À la place des métaux. On va. Je crois que la mûre polymère serait quand même plus intelligente maintenant. Ouais, on va faire la mûre polymère. On va modifier notre organisation militaire. Voilà. On va te faire changer. Armure polymère. Boum. Mec artillerie, on l'arrêtera si jamais j'ai. Et on a le rocket launcher aussi qu'on pourrait lancer. J'aime pas ma mec artillerie actuelle, donc on va en faire une nouvelle. Pour moi, le mieux finalement, c'est ici. Parce que si on est à 15% en plus de. Donc si on a un bon design, qu'on est à 15%, à 115% donc de Weapon Design, on passerait à 800. Et 800 me ferait un tir supplémentaire. À 400, vous avez 2 tirs. À 800, vous avez 3 tirs. À 1200, vous avez 4 tirs par round. Et ben, je crois qu'on va partir sur du 700. Ensuite, on n'a pas besoin d'une grosse armure. On est à l'arrière. Bon, c'est important quand vous faites de la contre-batterie, par exemple, si vous tirez et qu'il y a une batterie également de l'autre côté, bon, ce sera uniquement important là. Et les anti-tanks, bien sûr, mais s'il n'y a pas d'anti-tank en face, donc ça vous pouvez regarder, hein, je pense qu'un 25 mm sera nettement suffisant, même à la. Donc là, c'est un peu juste quand même, mais à 200 mm. 25 mm, c'est suffisant. Là, à mon avis, on aura besoin quand même d'un gros moteur. Alors, 645 total weight, et ici, 620 total weight. C'est un niveau 7, si je ne me trompe pas. La size. Donc, il me faut 100%. Eh ben, on va se mettre en Ivy diesel pour le moment. Et puis, on verra après. Donc, il va être très mauvais, hein, comme moteur. On aura à peu près. Si on a.
100%, on aura au moins 30%, à moins 30%, on aura sans doute du moins 40%, à mon avis. Hein. Monter la ville d'Anson, pour le moment, je n'ai pas besoin. Donc, on a bien avancé. Les assets maintenant, où en sommes-nous? Il reste un tour 2, donc il me reste 145 points industriels. On va lancer un bureaucratique office. Mais on va le diminuer un tout petit peu. Attends, montre-moi un petit peu ça. Le bureaucratique office. Combien coûtes-tu, mon cher ami? Tu me coûterais logiquement bureaucratique office. Je ne peux pas encore parce que je n'ai pas le niveau 3. Ben, ça devrait arriver. Il va être augmenté automatiquement d'ici peu, puisqu'on a deux. Là, on en a un qui est fini. Et il donnera effet que le tour prochain. Et celui-ci encore aussi. Et dans Enson, où est-ce qu'on en est? Tu me construis un casino dans un tour. Donc tout ça va booster. Ça va booster tout ce qu'il faut. Free market qu'on a gagné. Private economy bonus plus 40. Excellent. 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 Private economy bonus, ça veut dire que tout ce qui est privé est augmenté de 40%. Sauf ça. Non. On le verra ici. Voilà. Normalement, 2. Voilà. Les light industries, on a 40% en plus normalement. Et on l'aura sans doute que le tour prochain. Regardons ça. Oui, puisqu'on vient de le recevoir maintenant. Ce sera pour le tour prochain. Donc, au lieu d'avoir 170 industrial points, on devrait avoir 40% supplémentaires. Ou plutôt, ouais. Ou plutôt 40% de plus de 115. Puisqu'on a déjà 28%, 25% ici. Excellent. Excellent, excellent, excellent. 40%, waouh. Donc on va beaucoup, beaucoup, beaucoup monter ici dedans. En attendant, qu'est-ce que je peux travailler ici? Toi, qu'est-ce que tu as? Tu as 5, mais tu es en défense. Toi, tu as toujours 64%, c'est pas encore bien, c'est pas encore suffisant pour moi. Par contre, on va remonter un petit peu une de ces personnes-là. Toi, 228, viens un petit peu faire un tour là-dedans. Pas besoin d'avoir autant de monde que ça. Et le G ici, toi, le petit rifle militia, viens plutôt faire un tour ici, toi. Voilà. Vous, monsieur, venez un petit peu dire bonjour là plus loin. Rouge, du brun, du jaune. Du jaune, j'ai pas besoin de jaune. Toi, tu vas partir. Ici. Là, j'ai un brun. J'ai plus besoin des bruns ici. Donc, combien j'en ai? J'en ai 3. Là, j'en ai un seul. Donc, mon petit brun ici, il vient là-bas. Un, deux bruns. Brun rouge. Brun rouge. Brun rouge. Trop de rouge. Ceux-là, ils reviendront là-bas au-dessus. Donc, ici, nous avons du rouge. Ici, nous avons du jaune et du bleu. C'est du jaune et du bleu, c'est la même couleur, ça et ça, oui. Ici, nous avions. Ah, t'es encore un peu 57 seulement, toi. Si j'attaquais ici, avec ton copain, tu n'as que 1,7, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup du tout. On pourrait rajouter un bleu et un autre bleu. Là, on passe à 6-1. 6 contre 1.
On peut aussi dire que nous faisons une rangée d'attaques. Ouais, on va faire une rangée d'attaques ici. Ah, il y en a une seule, elle a touché trois fois. Elle touche plus que moi. Oh. Mais bon, on aura quand même un petit peu. Ça va être un peu dangereux d'attaquer. Hein. Mais on peut quand même faire un petit coup ici. Les bleus. Les bleus. Les bleus. Celui-là est un petit peu amoché, mais il peut quand même aider. Allez, on va le faire avec ça. Allez, une petite attaque ici. À mon avis, c'est pas l'idéal, mais. Trois qui ont été touchés là. Mais ça va. Ça va. On a buté leur canon. Et surtout, ceux-là reculent. Donc, on n'a rien perdu. On n'aura rien perdu. On n'aura rien perdu. Et on leur a quand même bien 2, 4, 5, 6 qu'on leur a pété quand même. Ok. Donc, cette fois-ci, je crois qu'il n'y a plus rien là. Il n'y a plus. Attends, ça j'enlève. Il n'y a plus d'assets. Elle est morte. On n'a pas besoin de rentrer là-dedans. Je n'ai pas envie de mettre mes chars en contact. Oh, note que. Ouais. Ouais, cette grosse. On ne voit plus notre. Le méchant bonhomme. Il manquerait un bleu, je vais dire. Donc là, j'ai deux bleus. Là, j'en ai un. Et ici, j'en ai un aussi, oui. Et ici, j'en ai un. Ok. On reste comme on est là. Les jaunes, je n'en ai pas. Ok. J'ai que du brun là. On pourrait venir embêter ceux-là. Ou je pourrais tirer aussi ci-dessus. Malheureusement, quand vous n'avez pas de reco. Mes tirs vont pas servir à grand chose. Il serait plus intéressant ici, mes tirs. Et je peux pas envoyer mes avions sans quoi ils vont se faire buter. D'ailleurs, mes avions, je vais plutôt les envoyer là-bas. On va les faire travailler un petit peu. Ou pourquoi pas ici dessus. Là, tu as combien? 100 de vision et tu n'es pas. Ouais, on peut les envoyer là-bas. Donc, on va faire mes petits avions. Mes petits avions. Il me reste 109 troupes. Toi, tu es scrapé. Mes petits avions. Alors, le numéro 1 et le numéro 2. On va commencer avec le numéro 2. Il va me faire un X. Y. Y, R-Recon, X, R-Attaque. Viens ici, mon ami, viens m'attaquer, viens prendre des points. Viens prendre des points. Tu vois personne au premier tour, mais le reste, ça commence à venir. C'est juste pour gagner un petit peu d'XP. Et de field testing. Excellent. Excellent. Voilà. Eh bien, on ne va plus à faire d'attaque ici. Qu'est-ce que j'ai? Il n'y aura rien trop de. Dans des ruines.
En défense, en plus. Non. Je ne vais pas attaquer là. On va tout simplement maintenant terminer nos... Déjà reprendre un petit peu de munitions. On va se prendre 250 munes. Voilà. Je voudrais modifier mes chars parce que la chopée a d'attaquer avec des bêtes comme ça. Et je voudrais que tu te fasses du replace. Donc il m'en faudra deux. Donc on va créer deux light armure. Nous avons encore 238 et ça sera suffisant pour ce tour-ci. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. On peut passer le tour après avoir scrapé nos Abraham et nos 1300 Line Troops. Voilà, un petit épisode où il ne s'est oui, pas passé grand-chose. On vérifie bien que tout a été raccordé. Voilà, tout est raccordé. Ok, on passe notre tour.